La star du jazz, Mélodie Gardot, veut vous entendre. Elle recrute des joueurs d'instruments à cordes et à vent pour composer un orchestre numérique. Louise Marcier et Gwenaëlle Bellec ont passé le casting. C'est un appel à se rassembler, le temps d'un morceau. Une invitation lancée aux musiciens du monde entier. Confinée à Paris, la chanteuse de jazz américaine Mélodie Gardot organise un casting géant sur les réseaux sociaux. Si vous jouez d'un instrument à cordes, à vent ou de la harpe, je voudrais vous demander de me rejoindre et de continuer à jouer de la musique malgré le confinement et la distance. Peu importe si vous êtes un amateur, un étudiant ou un professionnel. Pour ceux qui voudraient se lancer, des instructions détaillées sont disponibles sur le site officiel de l'artiste. À la clé, l'enregistrement à distance d'un single. Juste avant la quarantaine, j'étais en train de terminer ma prochaine disque et on était sur chemin de mettre l'orchestre. Et comme tout était freiné, on a eu l'idée, et moi perso, qu'on peut essayer d'appeler tous les musiciens mondiaux pour se rejoindre pour ce projet. Les sélectionnés seront rémunérés. Les droits reversés à une association d'aide au personnel soignant. Partout dans le monde, les artistes confinés se mobilisent. À l'initiative du plus grand concert virtuel jamais organisé, la star Lady Gaga. Plus de 90 millions de dollars récoltés pour lutter contre l'épidémie. En France, ce sont les chanteurs des années 80 qui ont composé ce morceau. Une initiative solidaire au profit des personnes âgées soignées dans les hôpitaux.